وي تي ذات تولين الزول ونصوف يسوان صفح ضم قناة دناوي أولي ذو نيت مديث بسا ثم دي بسا دناوي أول غفيون ووال بعد أن تسخد شي تطاس شمي السوال فسنكتنا الإيديولوجي ذا شو إذ الإيديولوجي أم كي تسوفنا الإيديولوجي ذا شو الإيديولوجي ديك شمن غارت مورثنا أم كي دوسنت إزوران نسنت أنسي تسلا الإيديولوجي إسك ذا ذيفو إتي صارصين داخل التمتير ناغ لوبوزيسيون. Est-ce que le berbérisme, c'est une idéologie? Est-ce que l'arabo-musulman, c'est l'idéologie de la Sahara ou la guerre? Le fascisme, ainsi de le bon côté de la guerre, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que 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 l'idéologie, c'est ce que nous avons dit. L'idéologie. Nous avons dit l'idéologie, alors étymologiquement, l'idéologie s'est constituée avec deux termes, d'un côté idée, d'un autre côté logie. Logie qui veut dire étude. Donc, de l'autre côté, idée, ça veut dire c'est la science des idées. Mm-hmm. Mais au-delà, on peut dire que l'idéologie, c'est un système d'idées ou de concepts. Idées et concepts, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un système d'idées qui comporte une vision du monde, une vision de la société, une vision de l'homme. Et cet ensemble d'idées investissent surtout le champ politique pour déterminer les comportements et les attitudes des individus et des collectifs. Un collectif, ça peut aller d'un petit groupe jusqu'à la société tout entière. Voilà un peu. Et donc, on peut parler donc de plusieurs idéologies. Mm-hmm. Généralement, elles, sont elles viennent de la philosophie ou bien de la pensée politique. Est-ce que c'est quelque, alors, chose, c'est quelque chose de nouveau, Nars Legzi? Alors, je me disais que c'est le 16e, 17e siècle qu'on a réellement un peu défini un peu ce concept-là d'idéologie. Mais avant, non. Mais est-ce que c'est avec la naissance de l'État-nation et de l'idéologie? C'est que la philosophie, c'est l'idéologie. Mm-hmm. On ne peut pas dire qu'elle n'existait pas auparavant. Donc, ce que c'est la philosophie, ce que c'est entre les idées politiques, la pensée politique, ce que c'est entre les idéologies. Un jour, hermit le monde moderne où on a pu y aller circonscrire un peu ce concept-là, c'est mal, dans une réalité politique, voilà, et philosophique. Donc, les idéologies, donc, il existe le fascisme, il existe le libéralisme, le marxisme, le nationalisme, le tas les idéologies, Guillen. Mm-hmm. Voilà. Figuiyok, l'un des certif, ou s'khdam t'ed imdanen, ou akna saniyot n'tmogli, ou akna saniyot n'tikhli. Gwenyanan, yok, chagal n'tmettin, نغشغال نسارثيث نغشغال ندونيث alors le collège de Nouvelle Thuram à Gourna est-ce que des choses les idéologies de Kishmen gardent maintenant Kishmen te dit quoi ou laisse les idéologies de Kishmen Kishmen te dit quoi alors Kishmen te dit quoi que les youth y en est mais le mid Kishmen de l'année à quatre couleurs mais le mid van zarné à quatre l'intégrité de van zik l'intégrité de van en tijdidin mais mikan. C'est-à-dire qu'il y a des idéologies anciennes, comme on peut parler du marxisme au 19e siècle, comme on peut parler de l'anarchisme aussi, qui était au 19e siècle, 18-19e siècle, comme on peut parler de le nationalisme qui remonte un peu plus loin, mais qui s'est renforcé à partir du 20e siècle, qui a eu un prolongement sous forme de fascisme, mm-hmm. le nationalisme. Donc voilà, donc je me suis saisie Horner. Voilà, les idéologies. RSG, il y a plein de. Toutes les idéologies, pratiquement, on les retrouve dans la pensée, voilà, de
chez nous, la pensée. Alors, l'idéologie arabo-musulman. D'abord, l'idéologie arabo-musulman. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai, effectivement. Mais le vrai, c'est un concept inapproprié. C'est un concept inapproprié dans le sens où, quand tu dis arabo-musulman, alors tu fondes toute une pensée sur deux réalités qui n'ont rien à voir en fait avec la politique, avec le truc. C'est deux concepts ethniques. Alors, il y a les ethniques ou les religieux. Enfin, arabe, ça veut dire ethnique. Il est fondé sur l'ethnie. Et musulman, il est fondé sur la religion. Or, on peut être musulman sans être porteur d'une idéologie pan-islamiste. Islamiste. On peut être un arabe sans être porteur d'une idéologie pan-arabiste. Donc, le concept Tagui, effectivement, est complètement inapproprié, voire même un peu raciste. Par contre, on peut dire islamo-bahthiste, ou bien on peut dire le panarabisme. On peut parler de panarabisme, on peut parler de panislamisme. Parce que quand on dit panislamisme, ça veut dire qu'on a tendance à vouloir conquérir le monde. Avec l'islam. Mm-hmm. Ou bien, quand on parle de pan-arabisme, ça veut dire qu'on veut imposer, l'identité arabe à tout le monde. Alors, est-ce que c'est ça C'est-à-dire, le calme est là, l'idéologie islamo-bathiste, pan-arabisme, pan-islamisme, oui, c'est des idéologies. Mais l'appellation arabo-musulman, c'est notre l'ethnie de la religion, ça se dit pas. Donc, à dire, avec le mais c'est l'idéologie, c'est là. L'idéologie, islamo-bathiste, le pan-arabisme, le pan-islamisme, l'idéologie, c'est la corne. Alors, ce qu'on appelle communément l'idéologie arabo-musulmane, on vient de l'expliquer, mais ce n'est pas approprié, qu'il vaut mieux dire islamo-bathiste, ou bien parler de pan-arabisme et de pan-islamisme. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Alors, l'idéologie, c'est le 18-19e siècle. Smith-là, il y a eu l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte. C'est à partir de là qu'il a pris une racine, cette idéologie-là. Mais, dès le temps, il y avait les trois empires. Il y avait des rivalités entre trois empires, l'Empire ottoman, l'Empire britannique et l'Empire français. Les rivalités nées ont fait que chaque empire a considéré que pour avoir pour vaincre l'autre empire, il fallait prendre la région du Moyen-Orient. Donc l'Empire ottoman était déjà sur place. Il dominait le Moyen-Orient. Alors les Anglais et les Français voulaient aussi donc partir au Moyen-Orient pour le dominer et pour l'enlever aux Ottomans. D'ailleurs, l'autre rivalité, c'est que l'Empire français voulait dominer le Moyen-Orient pour couper la route à l'Empire britannique vers les Indes. Donc, c'est dans le cadre de ces conflits, donc dans ce contexte-là, Napoléon a fait une expédition en 1798 en Égypte. Arrivé là-bas, après plusieurs batailles, avec d'abord les habitants locaux, donc, qui étaient constitués à la fois. À l'époque, ce n'était pas des Arabes. Il y avait des peuples qui avaient des langues différentes, qui avaient des cultures différentes, etc., des histoires différentes. Donc, ce n'était pas les Arabes encore. Mais il y avait par contre une dominante en Égypte, c'est ce qu'on appelle les Mamelouks. Les Mamelouks, c'est eux qui tenaient le pouvoir. Il se trouve que les Mamelouks avaient un roi
qui s'appelait Mehmet Ali. Mehmet Ali, qui n'est pas turc, qui est d'origine albanaise. C'est un Albanais. Et qui voulait prendre son autonomie par rapport au pouvoir ottoman. Voilà. Donc, lui, il avait déjà cet intérêt à combattre les Ottomans. Les derniers Zaghin, il faut pas oublier que les Zaghin, les Ottomans, sont arrivés jusqu'à Vienne. Donc, ils ont menacé l'Europe, d'une certaine façon. Alors, il fallait à tout prix donc affaiblir cet empire-là. Et c'est comme ça qu'après, il y a eu alliance entre les Anglais et les Français. Mais au début, il n'y avait pas. Au contraire, il y avait une rivalité guerreuse. Mais après, il y a eu une alliance. Donc, ils ont combattu le Turc, l'Empire ottoman dans cette région. Et dans le cadre de la mission de Napoléon Bonaparte, il y avait quelque chose qui était très important et ben, qui a eu des conséquences énormes, tu vois, à la fois sur la région et sur l'Afrique du Nord, c'est qu'il a encouragé l'islam et l'arabisation. Bonaparte. De la population. Mais c'est lui qui a créé... Bonaparte, On arrive à Gardina, mais d'accord, alors, Bonaparte, qu'est-ce qu'il a fait? Il bouillait une imprimerie. Il a fait cadeau d'une imprimerie. Après, avec cette imprimerie, il a créé une presse arabisante. Et ils ont créé aussi des écoles en arabe. Qui formait des élèves en arabe, sur la langue arabe. Et tout ça a créé plus tard des intellectuels arabes, arabisants, disons. C'est des intellectuels arabisants qui étaient porteurs de cette idée de l'identité arabe, et voire même d'une identité arabe expansive, c'est-à-dire conquérante. C'était pour en fait se libérer de l'Empire ottoman, pour se distinguer des Turcs. Au départ, c'était pour se distinguer des Turcs. Mais après, ils ont donné à cette identité une dimension de conquête et qui a fini par donc conquérir effectivement à la fois les peuples de la région du Moyen-Orient et aussi l'Afrique du Nord. Mais est-ce que le fait que Bonaparte il a encouragé l'enseignement avec les jeunes Turcs, il y a un mouvement qui va aller devenir mais c'est pas arabe quand c'est bleu que nous n'allons pas voir avec les arabes. On est plus tard. C'est plus tard. On est vers 1905. Voilà. Mais la question c'est que Bonaparte, c'est que l'un des Carmeliques, il a épousé la religion musulmane. Il y aura ce ministre Ali Bonaparte. Est-ce que c'est une stratégie? Non, il s'est converti. C'est une stratégie. Ça n'a rien. Ça n'a aucune en fait réalité. C'est vrai. C'est vrai que Ismi Gbadr en Égypte, il a fait des discours très favorables à l'islam et au prophète musulman, Mohammed, tu vois. Et il a fait des discours. En même temps, il a encouragé la construction des mosquées. En même temps, Ishahed, tu vois, et il se faisait appeler Ali Bonaparte. Ali Napoléon ou Ali Bonaparte, tu vois. Donc, il s'est donné un prénom musulman. Donc, mais tout ça, c'était un calcul politique. C'était pour Enath. Pourquoi? Parce qu'il était, il ne faut pas oublier que les populations locales continuaient à lutter contre la France, contre l'Angleterre, et aussi contre les Mamelouks. Donc, par contre, la contradiction qu'il y avait, c'est que d'un côté, les Français étaient combattus par les Mamelouks, qui tenaient le pouvoir à l'époque, qui tenaient la société aussi, mais le roi lui-même, des Mamelouks, à savoir Mehmet Ali, était un ami de Napoléon. Et donc, c'est comme ça que Mehmet Ali a encouragé la politique que voulait Napoléon, à savoir arabiser ces peuples-là. Il faut à tout prix faire en sorte qu'ils se,
qu'il se considère comme arabe et qu'il s'oppose aux Ottomans. Lui, ça lui permet d'avoir une autonomie par rapport à l'Empire ottoman, c'est mal. Et en même temps d'avoir un pouvoir sur un ensemble de peuples, c'est mal. Plus nombreux que celui qu'il avait sous sa botte à un Mais moment donné. Même qu'il faudra, c'est une idéologie alors, après. Alors, sur l'idéologie, en fait, déjà, il y a une idéologie. Mais bon, officiellement, l'idéologie, les congrès. Il y a des congrès pan-islamistes ou pan-arabistes. Alors, on peut remonter, par exemple, en 1913. Il y a eu le premier congrès. Premier congrès musulman, islamiste, enfin, musulman, adnéni musulman à l'époque. Alors, dans ce congrès-là, il y avait des velléités d'expansion de l'islam dans des pays qui ne sont pas musulmans. Donc, à partir de là, donc, ça devient une idéologie. Mais le vrai congrès qui a vraiment fait asseoir cette idée arabe, pan-arabiste et pan-islamiste comme une idéologie, c'est le congrès de 1931 qui s'est déroulé à Jérusalem. Alors, et pourquoi ? Il faut dire pourquoi il y a eu ce congrès-là et pourquoi il y a eu ce dévoilement d'une véritable idéologie de conquête. Alors, il faut remonter à la guerre du Rif, qui a pris fin en 1926. Il y a eu la guerre du Rif. La guerre du Rif a beaucoup inquiété les panarabistes et les panislamistes. Parce que la guerre du Rif, il ne faut pas oublier, c'était la république berbère que voulait instituer Abdelkrim. Et ça pouvait effectivement empêcher, freiner l'avancée de la langue arabe et de l'islam sunnite. Faut pas l'islam, même les berbères étaient des musulmans, mais ils n'étaient pas sunnites. Voilà, ils étaient soufis. Alors, donc, il y avait ça. Deuxième point, deuxième cause à donner, c'est il y a eu la création de l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine qui n'était pas encore islamisée totalement, qui n'était pas arabisé. Ça aussi, ça inquiétait un peu les panarabistes, les panislamistes. Donc, il fallait à tout prix en faire une idéologie, c'est-à-dire des idées portées par des militants politiques, portées par des nationalistes nord-africains. Et c'est comme ça que l'un des animateurs de toute cette histoire, c'était Cheikh Barcelone. Bon, il y avait auparavant Rachid Ardan, Mohamed Abdoun, etc. Mais en fait, c'est Cheikh Barcelone qui en est l'architecte essentiel. C'est qui vivait à Genève et qui était à la tête d'un institut panarabiste et panislamiste qui était financé par les États du Moyen-Orient. Donc, lui... Sa mission, c'était d'arabiser les immigrés qui sont en Europe, dont la majorité était nord-africaine. Il fallait les arabiser. Voilà, et en même temps, les islamiser. Donc, c'est lui qui a été, si tu veux, à l'initiative de ce congrès de 1931. Voilà, et c'est là qu'on a invité des nationalistes tunisiens, marocains, algériens et libyens. Et si l'Algérie, on a invité qu'un seul, c'était Messali Hadj. Évidemment, c'est Cheikh Barcelone qui l'a invité. Donc, Ibn Ghardin et Messali Hadj, ils l'ont complètement corrompu, tant au niveau des idées, au niveau de sa vision politique, qu'au niveau matériel, c'est-à-dire lui ont donné de l'argent et de quoi se constituer un pouvoir à l'intérieur de l'étoile nord-africaine.
Voilà comment il est devenu, il est revenu. Parce qu'il ne faut pas oublier, entre parenthèses, que M. Ali Hadj, on dit qu'il a été le créateur de l'électronique nord-africaine, c'est faux. C'est Hadj Ali Abd al-Qadr qui a été à l'initiative, si tu veux, mais avant Hadj Ali Abd al-Qadr, en fait, c'était Lénine. Qui est réellement avec la 8e clause de la 3e internationale, où il disait que tous les partis communistes, pour être admis dans l'internationale communiste, il fallait que les partis communistes des pays colonisateurs aident les peuples colonisés à se libérer du colonialisme. Donc c'était la 8e clause de la 3e internationale. Et donc de là s'est créé ce qu'on appelle l'intercolonial, c'est-à-dire une organisation qui regroupait tous les pays qui étaient dominés par la France, qui étaient colonisés par la France. Il y avait l'Indochine, il y avait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'intercolonial. Et c'est de l'intercolonial qu'est née l'étoile nord-africaine. Alors l'étoile nord-africaine, et à partir de là, il faut dire que le premier secrétaire général, c'était Mohamed Djeffel. Mohamed Djeffel, qui était le premier responsable de l'étoile nord-africaine. Mais comme il était malade, il a été remplacé par M. Ali Hadj. Mais ce que les gens souvent ne disent pas, c'est que M. Ali Hadj a été démissionné une année après, quelques mois après, de la direction. Pourquoi ? Parce que c'était un tir au flanc. Et toute sa vie a été un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne vient pas aux réunions, qui est tout le temps dans l'absentéisme, qui n'est pas constant la vie organique du parti. Mm-hmm. Donc à partir de là, Stakhrant en 1927. Mais Stakhrant, Youalid, justement après le congrès, c'est-à-dire en 1933. Alors là, effectivement, on revient avec lui, il a appelé ça la nouvelle étoile nord-africaine. Nouvelle dans plusieurs dimensions, elle est nouvelle parce qu'aussi, il va lui imprimer cette idéologie qu'on appelle l'idéologie arabo-musulmane, en fait, islamo et panarabiste. Ba'athiste, mais elle encore. Ba'athiste, c'est après. Donc, islamiste et arabiste, bon, on va continuer à l'appeler idéologie arabo-musulmane. Donc, comment ça s'est passé? Et c'est là qu'il va créer le journal Umma. Il aura les moyens financiers, mais matériels. En 31, Amic? Le journal Umma. Eh, en 31, mais juste après le congrès de Nair. C'est le congrès qui a donné naissance à cette nouvelle étoile nord-africaine, avec beaucoup plus de moyens qu'on en avait auparavant, tant sur le plan financier, donc, de la presse. À partir de là, effectivement, le mouvement national, il ne faut pas oublier, Cheikh Barcelone, c'est lui qui orchestrait tout ça. Mm. Pas uniquement pour l'Algérie, mais aussi pour la Tunisie, pour le Maroc, pour la Libye, etc. Un des éléments, par exemple, avec lesquels il arrivait à corrompre tout le monde, ce n'est pas uniquement l'argent, mais c'est aussi en donnant des bourses à des étudiants, des jeunes nord-africains, pour aller faire des études, soit à l'Azhar, c'est l'université islamiste, et ou bien à Naplouse, c'est-à-dire en Palestine. Ça, c'est l'université panarabiste. C'est là que les panarabistes... Même la France a encouragé ça aussi. Bien entendu, la France a encouragé, c'est clair. Bien sûr. La France, c'est elle qui a organisé le premier congrès de 1913. Et c'est elle qui a donné les locaux, c'est elle qui a donné les finances pour le premier congrès de 1913, panislamiste. C'est mal. Donc, effectivement, la France est aidée. Voilà le truc. Il faut se dire autre chose. C'est que ce qui a fait le plus peur aussi aux panarabistes et aux panislamistes, c'est l'histoire de décret, comment on l'appelle,
j'ai oublié le terme. Le décret qui est au Maroc, qui donne le Daher, voilà, le Daher berbère. C'était le Daher berbère qui leur a fait énormément peur, parce que le Daher berbère, c'était juste avant le Congrès. C'était à peu près quelques mois, quelques mois. Hein. Le Daher berbère, c'est quoi? Le Daher berbère, c'était parce qu'il y avait le Yoté qui était gouverneur en Algérie, et au Maroc, Asmik Bodo le Maroc, et comme gouverneur aussi. Donc, il a dit que, voilà, on ne va pas faire l'erreur qu'on a faite en Algérie. Donc, on va permettre aux Berbères de gérer leur société avec leurs propres lois. C'est-à-dire, au niveau de la législation, au niveau de... On va appliquer le droit coutumier. Le Daher berbère, Mathieu 1913, c'est le 16 mai 1930. Hein. Non, 1913. 1913, c'était le congrès islamiste qui a été organisé avec le concours de la France. Mm-hmm. Par contre, en 1930-31, il y a eu le Daher berbère et il y a eu le congrès juste après le 31. C'est pour ça, pourquoi il y a eu ce congrès. Enfin, on vient de donner les raisons pourquoi il y a eu ce congrès, il y a eu la guerre du Rif, il y a eu le Daher berbère, etc. Mm-hmm. Donc c'est tout ça qui a donné aux panarabistes et aux panislamistes l'idée qu'il fallait à tout prix faire un congrès et constituer une idéologie qui va empêcher tout ce qui n'est pas arabe, tout ce qui n'est pas musulman de proliférer dans les espaces, à la fois, surtout enfin, nord-africains, mais aussi moyen-oriental. C'est un peu le truc. Donc le Daher berbère, il faut dire que quand ils ont tenté de l'appliquer, il y a eu un tollé. Chaki Barcelone, tous les panarabistes, tous les panislamistes ont fait... une compagnie extraordinaire, très très violente, pour que ce décret ne soit pas appliqué. Ils ont écrit à l'ONU, à l'époque ce n'était pas l'ONU, l'ASDN. Ils ont écrit à l'ASDN, ils ont écrit à toutes les instances internationales, à tous les États, tout incroyable. Ils ont fait une compagnie de propagande contre le Daher berbère, quelque chose d'inouï. Et ça n'a pas été sans influencer. Beaucoup de nationalistes algériens, marocains, tunisiens et libyens, dans le sens où parce que c'était fondé sur le prétexte qu'on veut diviser la nation, on veut diviser les musulmans. Voilà. On veut les diviser, voilà. En reconnaissant les berbères, ça veut dire qu'on va diviser les musulmans. C'est reconnaître le droit coutumier. Hein, exactement. Et en même temps, voilà, marginaliser les arabes. Mm-hmm. C'est un peu ou du moins, pas marginaliser les arabes, mais couper le lien entre les arabes et les berbères. Parce qu'il faut, dans une des lettres, hein, je vais citer un truc, dans une des lettres qui a été envoyée à l'ASDN, il y avait, on avait dit, une phrase acné, mais alors, Yannick qui illustre tout à fait cette volonté de. Il n'y a pas de lire le Daher berbère a pour projet d'arrêter le processus d'arabisation des Nord-Africains. Tu comprends? Parce qu'il y a le traité de Fès. Parce que le traité de Fès, c'est justement le protectorat de Blik, le Daher berbère qui reconnaît, justement, en 1930, Blik, le droit coutumier berbère, il soit de Bakfelassen, on va être quand même dans la chatte de 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 la chatte qui séduisait, y compris en Afrique du Nord, voilà, dans certains milieux nationalistes. Donc, voilà, entre autres, voilà, Umba d'après, évidemment, Mesali Hadj, l'étoile nord-africaine, et d'autres organisations comme l'Istiqlal au Maroc, comme le Destour en Tunisie, etc., ont fait un travail immense de propagande, d'arabisation et d'islamisation
de la population nord-africaine. Mais le baathisme, qu'est-ce qu'il dit après? Parce que le baathisme, c'est une idéologie aussi. Le baathisme, c'est un pharsaf, l'ahqad warna. Le baathisme, c'est venu apparaître. Le baathisme, c'est venu avec Michel Aflaq. Michel Aflaq, il a vécu un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 40, à peu près, dans les années 30-40. Donc c'est plus tard que le panarabisme s'est constitué en partie bête, parce qu'au Moyen-Orient, il y avait effectivement des panarabistes qui commençaient à se détacher du panislamisme. Il y avait des panarabistes qui étaient laïcs, tout simplement comme Sati Hosri. Sati Hosri est l'un des pères. C'est lui le père, c'est lui le père du panarabisme. Alors pourquoi? Parce que lui, Sati Hosri, c'était parce que il faut Asmid Soufran, l'Empire ottoman, c'est le Moyen-Orient. Il faut savoir que la Syrie et le fils d'Abdelrahman, le gardien des lieux saints de la Mecque. Mm. Son fils, Faisal, qui était un guerrier, qui a lutté avec Onathismus, j'ai oublié le nom, qui a lutté avec l'anglais. Après, je vais me rappeler de son nom. Laurence Darabi. Laurence Darabi, voilà. Et, il a lutté avec lui. Donc, quand ils ont vaincu, la Syrie, Kenest et Faisal. Il est devenu roi de Syrie. Et à ce moment-là, Winnet Faisal est roi en Syrie. Il est devenu ministre. Ministre de Faisal. D'après dernier, 6 mois après, la France a refusé le trône de la Syrie à Faisal. Donc ils lui ont dit non. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Bon, puisque la France refuse que vous soyez roi de Syrie, on va vous envoyer en Irak, vous serez roi d'Irak. C'est comme ça qu'il est devenu roi d'Irak. Et Sati Hosri l'a suivi en Irak, il est devenu aussi ministre en Irak. Voilà, mais c'est lui le père du panarabisme. Mm. Et lui, il était laïque. Lui, est-ce que le panarabisme, c'est les chrétiens disent que c'est des pana-islamismes, donc la base ou la base du langue, donc le panarabisme. Exactement, parce que en fait, le panarabisme est né effectivement avec des intellectuels, pour la plupart étaient coptes, pour la plupart étaient chrétiens. Le Boustani, c'était quelqu'un de voilà qui était chrétien. Et donc c'est des chrétiens qui n'étaient pas musulmans, donc forcément pour eux parce que dans leur tête il devait y avoir une renaissance de la nation arabe, parce que eux ils croyaient que dans le passé il y avait une nation arabe. Donc, cette renaissance ne pouvait pas se faire avec l'islam qui bloquait sur la question du progrès humain, d'une manière générale, du progrès scientifique, etc. Donc, de l'émancipation de la femme, etc. Donc, c'est pour ça que Néné, il s'est détaché un peu de l'islam. Donc, le panarabisme, effectivement, même Michel Aflaq lui-même est un chrétien. Quand il a créé le Ba'ath, c'est un chrétien. Donc c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance aussi à Saddam Hussein, ou Bachar al-Assad, etc., qui sont en fait plus ou moins laïcs, on peut dire. Mais Mkoubad, où est l'idéologie islamo-ba'athiste? Islamo-ba'athiste parce qu'il y a eu alliance. Il y a eu alliance, et l'alliance, nous connaissons... Jarvitch déjà des Mourtenar en Algérie, c'est-à-dire même en Algérie Zik, les Ba'athistes et les islamistes ne sont pas unis. Dnéné Boumdiène n'était pas très proche des islamistes. C'était un Ba'athiste, mais pas un islamiste. Comme les islamistes, à l'époque, étaient opposés à Boumdiène. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y avait de ça. Mais après, dans les années 70-80, il y a eu alliance entre les deux courants. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que, alors pour les islamistes, ils pensent que grâce à l'arabisation, ils pouvaient donc développer l'islamisme dans la société.
Les panarabistes pensaient que grâce à l'islam, ils pouvaient développer dans la société l'arabisation. Donc, c'est un peu comment ils se sont en fait liés. Liés, et aujourd'hui, on sent que vraiment aujourd'hui, qu'ils sont très très liés. Bon, il y a toujours évidemment des scories de l'histoire Niqarn, des restes de ba'athistes qui sont toujours anti-islamistes. Et il restera toujours des islamistes qui sont anti-ba'athistes, tu vois. Ça existe, mais ils sont minoritaires. Mais et l'idéologie, est-ce que le pouvoir est-ce que l'idéologie est de l'opposition? De toutes parts, une idéologie, c'est la presse, les médias. Ça peut être la presse, ça peut être les acteurs politiques qui peuvent venir d'un pays, d'un autre pays, puis rentrer dans ton pays, puis développer des idées. Ça peut être des écoles. Aussi, le type d'enseignement qu'on adopte dans des écoles peut véhiculer une idéologie. Et généralement, ils véhiculent tous une idéologie. Donc, l'idéologie, c'est de tous les relais de communication qu'il y a dans la société. Et l'État, effectivement, joue un grand rôle. L'État joue un grand rôle parce que c'est l'État qui donne les moyens et qui donne les méthodes d'enseignement et les contenus de l'enseignement. Donc, à travers lesquels, effectivement, l'idéologie est distillée. Voilà. Alors, c'est-à-dire que l'idéologie de Kishman, islamo-baathiste, il y a d'autres idéologies d'anathique de Kishman. Bien sûr, Kishman te dit que les idéologies, Kishman te dit qu'avec plus ou moins d'impact dans la société. On connaît par exemple, il y a cette idéologie qu'on dit arabo-musulmane, entre guillemets toujours, on la met entre guillemets. À travers donc Cheikh Barcelone et tous les intellectuels moyen-orientaux qui ont donc influencé le mouvement national, particulièrement le PPMTLD, donc l'étoile nord-africaine, le PPMTLD, les ulama, ils ont créé le ulama, il ne faut pas oublier ça aussi. Mais dernier, les idéologies, le marxisme par exemple, aussi, le communisme, parce qu'il y avait des communistes. On avait une partie de la population à une certaine époque qui était constituée de pieds noirs. Et les pieds noirs appartenaient au Parti communiste, pour beaucoup. Ils appartenaient au Parti communiste. Donc, ils ont diffusé les idées du marxisme. À travers le Parti communiste. On peut trouver aussi des anarchistes. On peut trouver des khatrapare. Tous les lettrés étaient en contact avec ces idées qui se diffusaient un peu à travers le monde, que ce soit les idées anarchistes, que ce soit les idées communistes, que ce soit les idées libérales, que ce soit les idées nédanes. On a eu aussi, l'anarchisme par exemple. Il faut dire que à un moment donné, il y a eu les brigades internationales pour combattre auprès des républicains contre Franco en Espagne. Et le milieu républicain en Espagne était truffé d'anarchistes. Donc beaucoup d'Algériens sont revenus avec des idées qui étaient diffusées à savoir les idées anarchistes. L'anarchisme que je me donne à travers ce canal. Tu as aussi le fascisme. Le fascisme aussi, par plusieurs canaux. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, le fascisme, il existe? Alors, et d'une manière très visible, c'est tout à fait nouveau. Mais quand tu remontes dans l'histoire, il y avait déjà des prémices. Il y avait déjà des prémices. Et le premier phénomène sur le fascisme, c'était les Allemands, les représentants de l'Allemagne en Algérie à l'époque, les consuls, etc., qui faisaient un travail, une campagne de propagande contre les Juifs.
Alors, contre les Juifs, et à l'époque, jusqu'à arriver à créer un pogrom à Constantine, en 1936 ou 37. En 1937, il y a eu un pogrom, c'est-à-dire un massacre des Juifs à Constantine, provoqué par trois acteurs, en fait, les Allemands, les colons, parce que les colons, avec le décret Crémieux, les Juifs commençaient à prendre de l'essor, à prendre du poids sur le plan et économique. En 1971, décret Crémieux. Mais les colons, depuis ils n'étaient pas d'accord avec le décret Crémieux. Donc, depuis longtemps, ils essayaient, depuis cette date-là, ils essayaient de marginaliser les Juifs et de les affaiblir sur le plan économique, et voire même de les faire disparaître. C'est comme ça que les gros colons étaient alliés aux Allemands. Il ne faut pas oublier que plus tard d'ailleurs, ils vont créer, c'est eux qui vont représenter Vichy à Alger. C'est-à-dire que le pouvoir d'Alger était allié à Vichy, et non pas à De Gaulle. Mm-hmm. Donc, parce que par anti-judaïsme, parce que adnan antisémitisme, mais je n'aime pas ce terme, parce que c'est un terme aussi inapproprié. Hein. Un racisme, c'est du racisme, point. Il n'y a pas de raison de dire tel racisme spécifique par rapport à un autre. Tous les racismes se valent. Donc, à l'époque, les colons étaient contre les juifs, les Allemands étant contre les juifs, évidemment, c'est une évidence. Et à l'avenir, il y avait des Algériens qu'on avait travaillé pour dire que, attention, les juifs, ils vous ont trahi en 1871, et en plus, ils sont en train de devenir riches, etc. Ce sont vos ennemis, en gros. Et donc, ces trois éléments-là ont produit le pogrom de Constantine. Ils ont massacré des... Heureusement, ça n'a pas été au-delà. Mmh. Finalement, le travail qui a été fait par ces... est-ce que c'est une idéologie dans cette défaite historique Gdaran? Non, il y avait une idéologie, c'est l'idéologie fasciste. Écoute, Vichy, c'est l'idéologie fasciste, hein. Quand tu vois un peu la pensée de Pétain, la pensée d'Oriot ou bien de tous les représentants de Vichy, c'était du fascisme. Ils étaient complètement fascisés. Et à Alger, c'était la même chose. Les colons, les gros colons, je parle des gros colons, ceux qui tenaient le pouvoir en Algérie, c'était des fachos. C'était des fascistes. Ils ont tout fait pour exclure les enfants juifs des écoles. Donc voilà, et leur méthode de gouvernement, leur méthode de pouvoir était des méthodes totalitaires, extrêmement totalitaires. Voilà. Mais donc, après l'indépendance, est-ce que le fascisme, il a gondi glan, rirouh, après yougale? Alors, sur un dernier, il y a une chose qu'il faut mettre, c'est la liaison qu'on peut faire entre le panarabisme, le panislamisme et le fascisme. Voilà. Alors ça existait aussi. Alors ça a commencé d'abord l'étoile nord-africaine, il faut le dire. Il y avait Smith, l'étoile nord-africaine, Smith qui est la guerre mondiale, beaucoup d'éléments, pas tous heureusement, beaucoup d'éléments de l'étoile nord-africaine ont rejoint l'ESS, c'est-à-dire que l'armée d'Hitler. Évidemment sous le prétexte que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a des gens, des Algériens, vraiment de l'étoile nord-africaine, malheureusement, qui ont rejoint effectivement l'armée fasciste hitlérienne. Ceci a été condamné, évidemment. C'est le PPA, c'est pas l'étoile nord-africaine. Et c'était des militants de l'étoile nord-africaine. C'est la nouvelle étoile africaine qui voit le PPA en 1937. Voilà. Mais le problème, Chouken, il faut dire que les responsables à la fois de l'étoile nord-africaine ou du PPA ont condamné cette alliance, cette adhésion. Des militants qui étaient dans leur rang et puis qui ont rejoint le truc. Ils ont condamné.
Msali Hadj, il a condamné l'année Amr Imach, etc. Ils ont condamné. Voilà, donc il est déjà à ce niveau. Mais cela n'a pas été sans conséquence dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens qui pensaient que il fallait soutenir l'Allemagne, y compris en Algérie. Il y avait des gens qui soutenaient Hitler parce qu'il était contre la France, qu'il est dominé, tout simplement. Et ça a eu effectivement, ça a semé des graines du fascisme. Mais plus que ça, dernier, il faut savoir que dans une autre liaison entre l'islam et le panarabisme, c'était le mufti de Jérusalem. Le mufti de Jérusalem qui était l'un des acteurs les plus actifs du congrès de 1931, qui lui a été carrément rendre visite à Hitler. À Hitler. Mm-hmm. Il a rendu visite à Hitler. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans la démarche des islamistes et des panarabistes, on retrouve beaucoup d'attitudes, de comportements, de cultures carrément inspirées de l'hitlérisme, du fascisme. Erzurum. Voilà, donc c'est dit qu'ils étaient un peu très proches. Mais Amkhila Jokshogi, qui est islamo-baathiste et le fascisme après l'indépendance, est-ce que Mlalen? Islamo-baathiste et le fascisme. Alors, qu'est-ce que le fascisme en Algérie aujourd'hui? Le fascisme aujourd'hui, il a un visage, c'est le visage des islamistes et des panarabistes, c'est-à-dire les baathistes. En fait, il n'y a plus de jonction, il y a une dissolution. Il y a les baathistes et les islamistes chez nous ont carrément épousé les idées fascistes. Voilà le truc. Donc il n'y a plus, c'est pas des entités différentes, c'est la même entité. C'est un peu le truc. Mais quand même, le socialisme, le libéralisme, tout ça c'est des idéologies. Oui. Voilà. Est-ce qu'à Ressante, c'est des discours quand même? Alors, ma ressentiment, c'est des discours. Donc, ma ressentiment, c'est le mouvement national. Le mouvement national, avec des nerfs, nous avons déjà une fois, le mouvement national, il y avait plusieurs influences. Dans le mouvement national, il y avait ceux qui étaient influencés ou qui adhéraient à l'idéologie issue de la Révolution française. Donc, libéralisme, démocratie, droits de l'homme, émancipation de la femme, et toutes ces valeurs-là qui étaient effectivement dans le corpus idéologique de la Révolution française. Il y avait ce qui était dernier influencé par la Révolution bolchevique, qui, elle aussi, portait des valeurs de type, émancipation de la femme, progrès social et économique, liberté, enfin, certaines libertés, quoi. C'est peut-être, ça nécessite un autre débat, parce que la liberté telle qu'elle est conçue chez les bolcheviques et telle qu'elle est conçue chez les libéraux n'est pas la même. Elles sont différentes. Donc, Et dernier, il y a ce qui était inspiré par les panarabistes, les panislamistes, l'idéologie arabo-musulmane essentiellement. Alors ça, le problème c'est que qui a eu le dessus au niveau dans le mouvement national? Eh bien, c'est l'idéologie arabo-musulmane, parce que ce qui était d'inspiration de la Révolution française ont été marginalisés. Pour la plupart, c'était des intellectuels francophones, il faut le dire, ainsi que ceux qui étaient d'idéologie marxiste, c'est-à-dire communiste, qui étaient aussi des intellectuels. Et donc, ils ont été complètement marginalisés. C'est de là que, d'ailleurs, est née cette haine des intellectuels. Donc, l'idéologie arabo-musulmane a complètement dominé dans le mouvement national. Mais avec des résistances. À l'intérieur du mouvement national, quand même, il y a des résistances. Ces résistances-là n'ont pas tenu. Un exemple, ce qu'on appelle, entre guillemets toujours, les berbéristes, qui est aussi un concept inapproprié. Mais bon, on peut les appeler berbéristes, entre guillemets, c'est tout ce qu'on a dans le stock comme,
comme concept, Yannick, qui identifie un peu ces entités. Donc, les berbéristes étaient des laïcs, étaient aussi opposés au panarabisme et au panislamisme. Mais ils ont été, on connaît leur sort, assassinés, exclus du parti, assassinés plus tard, etc. Donc complètement, voilà, mis de côté. Tu as aussi Farhat Abbas avec l'Udma, qui lui n'était pas un panarabiste, qui n'était pas un panislamiste, qui était musulman cependant, qui se revendiquait arabe, mais qui n'en faisait pas une idéologie. Lui, il était plutôt, c'était plutôt un libéral d'inspiration révolutionnaire française. C'est différent. Donc, elle a été marginalisée. Tu as aussi, par contre, les ulama qui sont eux-mêmes marginalisés par rapport au mouvement national, puisqu'ils n'ont jamais participé à la démarche indépendantiste du mouvement national. Jusqu'en 1956. Pour l'indépendance. Mais aujourd'hui, voilà, on te dit que c'est eux qui ont été les pères du mouvement national, les animateurs, et voire même les pères de l'indépendance. Est-ce que le berbérisme, est-ce que le berbérisme, c'est une idéologie? Non. Le berbérisme n'est pas une idéologie. Le berbérisme est tout simplement une expression, une manifestation, la manifestation d'une identité, d'une culture, voilà, et d'une langue. Ce n'est pas une idéologie. Normalement, à ce moment-là, les Français qui aiment leur langue, leur identité, le francisme, c'est une idéologie, non. Non. Un peuple, il a une langue, il a une culture, il a une histoire, et puis il manifeste son amour pour cette langue, pour cette, c'est normal. Il a un attachement à tout ce qui le constitue, qui constitue son identité. Et ça ne signifie pas une idéologie. Une idéologie, c'est quand on veut l'imposer à l'autre, quand on veut influencer l'autre, quand on veut lui donner une extension au-delà de ses limites naturelles. Au-delà de ses limites naturelles. C'est ça une idéologie. Maintenant, il y a des idéologies qui sont porteuses d'humanisme. C'est ça qu'il faut faire la distinction. Il y a des idéologies qui sont porteuses de bonnes valeurs, de belles valeurs, quoi. Qui sont humanistes, qui sont pour la liberté, qui sont pour contre le racisme, qui sont pour l'égalité, qui sont pour le progrès, etc. Ces idéologies-là, ce sont des idéologies positives, comme il y a des idéologies négatives. Est-ce que l'idéologie, il a qu'à se rassurer à te faire des thématiques, est-ce que les idéologies, c'est un thème qui est en train de dire, Alors, Adina, tout dépend. Où est-ce que tu te situes? Alors, effectivement, les idéologies dirigent à 100%. Le fascisme dirige à 100%. Ça veut dire qu'il y a une idéologie fasciste qui est en train de C'est clair. L'idéologie arabo-musulmane, ça veut dire qu'il y a une idéologie. D'ailleurs, elle est elle ressemble, voire même elle partage beaucoup de valeurs, beaucoup de choses avec l'idéologie fasciste. Par contre, quand tu parles de marxisme ou de libéralisme ou d'anarchisme, ça, il y a des différences. Il y a des différences et elles sont à la fois porteuses de choses que les gens considèrent être positives, de choses que les gens considèrent être négatives, selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon ses idées. Est-ce qu'on est pour le capitalisme ou on est pour le socialisme? Voilà, c'est selon. Voilà. Alors évidemment, le marxisme, bon, on te dit que le marxisme est ilhan au niveau de l'idéal, parce que le marxisme, il prêche pour un monde
d'égalité, un monde de justice, etc., etc. Mais n'est comme quoi, dans son, quand il y a eu application avec l'Union soviétique de ce marxisme dans les pays de l'Est, il y a eu des dictatures. Donc il y a un problème de liberté qui se pose. D'un autre côté, dans le libéralisme, au départ, il est né contre la féodalité. Il était porté par la bourgeoisie. La bourgeoisie qui était contre la féodalité, contre le roi de l'époque. Alors le problème, c'est que le libéralisme, quand il est né aussi avec des valeurs de liberté, d'égalité, etc. Mais après il est devenu colonialiste. Après, il est devenu impérialiste. Après, il est devenu un système d'inégalité sociale criante, y compris dans les propres pays où il a pris vraiment racine, à savoir en France, etc. Donc, il y a des inégalités sociales, il y a de la pauvreté, donc il y a du positif et du négatif. Est-ce que les idéologies tiqdimiyya kanay glan nagad lalent les idéologies simaynoutin? Alors, les idéologies, c'est tout dépend de s'il y a un philosophe aujourd'hui qui peut maîtriser un peu l'évolution du monde, l'évolution des sociétés, etc. Il peut nous créer notre idéologie. Toutes ces idéologies, sur les idéologies, quand on parle de libéralisme, il y a eu beaucoup de penseurs libéraux, à la fois d'abord sur le plan économique. Il y avait Proudhon, il y avait Keynes, évidemment, mais on a plus tard. Il y avait Adam Smith. Il y avait Ricardo, il y avait. Tous ces gens-là ont participé à l'élaboration, si tu veux, libérale. Il y avait des philosophes. Également, il y avait des philosophes, des économistes, etc., des intellectuels, on dira aujourd'hui. Dans le marxisme, c'est la même chose. Il y a eu Karl Marx, mais avant Karl Marx, il y avait déjà ce qu'on a appelé les socialistes utopiques, qui commençaient déjà à avancer des idées sur le plan. Le marxisme est constitué d'une manière schématique avec les économistes anglais. Les révolutionnaires français, et les philosophes allemands. C'est-à-dire, la philosophie allemande était très développée, l'économie était très développée en Angleterre. Et en France, c'était un pays très révolutionnaire. Tout le temps, il y avait des mouvements révolutionnaires. Donc, c'est la combinaison de cet aroi qui a donné naissance au marxisme. Mm-hmm. Pour schématiser. Voilà, donc, c'est un peu le truc. Maintenant, mais cela, il a donné le fascisme. Par exemple, le populisme. Ce sont des notions qui sont très difficiles à définir. Pourquoi elles sont très difficiles à définir. Pourquoi elles sont difficiles à définir? Parce qu'il n'y a pas de théoriciens. Elles n'ont pas de théoriciens. Il n'y a jamais eu de théoriciens du fascisme. Il y a plusieurs penseurs comme ça. C'est que des fois, il y a des conditions qui le populisme et le fascisme. Oui, bien sûr. C'est les crises identitaires, c'est les crises économiques, c'est les crises sociales, expositiques. Vers les mauvaises idéologies. Oui, bien sûr. Même les Bonnianais peuvent être aussi trouver un peu leur berceau dans ces conditions sociales difficiles. Effectivement, c'est les périodes de crise. C'est dans les périodes de crise où les gens cherchent à sortir de cette crise. Donc, ils cherchent des voies. Et c'est là que viennent des alternatives, tant au niveau de la pensée qu'au niveau de comportement politique, social, etc., pour sortir de cette la crise. Oui, bien sûr. Alors, au cours de la fin Quran, c'est pas ça qui est grave. Parce qu'il y a des choses très sérieuses, n'a rien à y dire sur ce matin. Mais il a quand même essayé d'isoler, de sélectionner, c'est-à-dire l'origine de l'idéologie. إذ بغى الإيديولوجيا نيد أنا تيك إذا شو ذي المظهر رغي تسعى ذي تخمام التمتيع إذا ممكن زمان أسبوع ساقير إيه المزين وكس المزين إيك حبل أنت سارتي تقريبا سارتي ممكن زمان أسغر فلن بل كوي غلالة ذي الغلاط
قطع تي كوال اتغري ذي الغلاظ شي صغير اتحفظ على السلوك وتتسس دار الطابله شي صغير شو تسنتر وكتقلب السلقاي تبسر النظام اكزاكتومون اي هو كيس لو بلو غرو بروبليم دراماتيك كو نو فيفون غورنا اون الجيري et particulièrement en Kabylie, il faut le dire, en Kabylie, il faut le dire. Parce qu'en Kabylie, malheureusement, il n'y a pas d'éducation politique. Et quand on parle d'éducation politique, en fait, on n'apprend que des choses en surface, que du superficiel, que du folklore, que du farfelu, que du discours vide, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de profondeur, dans les différentes sciences sociales. Donc c'est ça le drame chez nous. Khatar, c'est un mot de Gornard, c'est un mot de Gornard, mais comme il s'est rappelé là, ça a été déterminé et voilà. Ça c'est d'une part. L'éducation politique, elle passe forcément par une culture politique. Si on n'est pas, on n'a pas la culture politique, et on peut pas savoir où on. Avec Nkaran, sans théorie, il y a pas de pratique. La théorie des choses stable, il dit mal navrée. Mais il a aussi la théorie. ثفتت ثلاثة تنسى دوك الظلام قلنا نزاتيك وتولي ضرب بلي تسني الحوض هذا سي بو ساك سي بيان القرايه لها القرايه لها لابد هذه استقساي لها لابد ما يستخدم اول غادي يسلي اول الا قا تيسقد شو اول ني هذه زر ان سيدي كا هذا شد المانس شد يبوزيك ما دايني لها دايني ندير شد المرد يوين اورزدات ما دايني لها دايني ندير هذا البروبليم ان كوني غورنا نسخروض نسروث ذا سروث اذا نسروث فيقين الساقين ان تولي الاف ذاك كاينين التمازيغ التمازيغ ما تولي لي زيد دني في سي قرف التمازيغ التفاصيل دي فاشيزم يسون فو ورزرارا ورزرارا ودي فوا ميم هذا سنس دي فاشيزم ورزرارا شي الفاشيزم لكن يجمعو فو باسكو رزرارا ذا شو ورزرارا بيك الفاشيزم لا جف يدي خلق دي الدونيث يخدمنا تصل الخساره دي الدونيث يصوضن الصرغاين اللي مذانين يصوضن اذن غني مذانين اللوفانات اتسترا واين كني غيل اسيدي كسي الدل رجرب بلك اول غرد الدل في تساوي سي الكونترير فهمت C'est l'inverse qui va se dérouler. Ce n'est pas une... Voilà le problème. C'est comme aujourd'hui ceux qui votent pour Marine Le Pen, par exemple. C'est un exemple. L'extrême droite, Adeline. Ceux qui votent pour l'extrême droite, ils ne savent pas qu'en fait, ils vont demain vivre des gros problèmes en pensant se libérer de la situation sociale difficile qu'ils vivent. En fait, ils préparent avec l'extrême droite, en votant pour eux, il prépare un monde où il y aura une situation sociale plus grave, où ils vivront encore plus de pauvreté. C'est exactement ce qui se passe avec le fascisme. Les gens, quand ils ne savent pas ce que c'est que le fascisme, évidemment, ils sont entraînés vers le fascisme sans se rendre compte. Le fascisme, il y a le Karayan, 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 il y a le Karayan. مقران قاس ما كاين غير مثل مقران كان طون زون تد نسمى لد نسوي ولا تصغى في لي كونسيبت خاطر سي نفهم لي كونسيبت ونفهم امزور الانسان سي ذات كان ابسوليمون مار فغي بون يا بوكو دي ميسيون كيل فو كونساكري سو جور دو جو خاطر بيداغوجيك دي ميسيون بيداغوجيك زين غير خصنا طاس فما اون با التون مالوريزمون اون ميسيون دو ريزومي تو فما مي اك شويه 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 تغلظ تسمى ما كدرنا القرايه سي ديدوكاسيون بوليتيك اون في On préfère faire des émissions d'éducation politique que de faire de l'agitation et de faire de la spéculation. تمام مرت تخبي مض ماذا قال المخ كذا خليت ذا فلان السبب ساكيني ماذا قال
ونسر كذارة ونبارة تعاونتنا تمسني وكنا ذدناهم تمسني ونزارة ستدون تمثال ماشي من ولا غد ياسر غي الزغار ونا غدا غي النهار أما كنو نزارة أسبا ساقيدا لا غبو مذان إذا نتساقي تفثيث إذا نتساقي نفيش إذا بشكر تلمي الثام قالت يخونم تلك وذكونم غيدي الدليل ناصر ما ذاك النادي في الساسين في اللوم جاكو دين هذا الخير أرتكتنا هذا